Comment toi qui es croyant, comment toi qui dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu peux encore tenir des propos tout simplement de racisme? C'est pas compatible de dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et de l'autre côté rabaisser quelqu'un en fonction de ses origines et en fonction de sa couleur, en fonction de son pays, en fonction de sa culture. On voit juste un petit morceau de cuir aujourd'hui qui est la cause de division entre les musulmans. Après, prenez-le comme vous voulez. Vous savez que j'en ai rien à faire de l'état d'âme de chacun. Un morceau de cuir qui aujourd'hui, quand il y a une victoire, on se retrouve tous au centre-ville. Et quand il fallait manifester pour le droit des musulmans, tu étais où? Un morceau de cuir aujourd'hui permet de bloquer donc les rues du centre-ville. Mais naam, quand maintenant il fallait manifester pour le droit de nos sœurs, pour le hijab, ou alors pour contre les fermetures de mosquées, contre les fermetures abusives de toutes les associations et des mosquées. Mais vous étiez où? Est-ce qu'aujourd'hui la nation est supérieure à l'islam? Est-ce qu'aujourd'hui la nation est supérieure à la foi? Est-ce qu'aujourd'hui ta nation, ta patrie est supérieure à la ilaha illallah? Quelle fierté! Wallah, il n'y a pas de fierté à se réclamer algérien. Wallah, il n'y a pas de fierté à se réclamer algérien. Si de l'autre côté, tu es contre l'islam, si de l'autre côté, tu ne mets pas en pratique les paroles du prophète alayhi salam, ça là, ce que tu fais, c'est dans le chemin de shaitan. Et il n'y a aucune fierté à s'insulter entre algériens et marocains. Wallah, mais vous allez où, chers frères? Vous alimentez un racisme qui n'existait pas. Et vous réclamez algériens et marocains. Et vous vous entretuez. Et vous vous insultez. Vous ne vous mariez pas entre vous parce qu'un tel est algérien, parce qu'un tel est marocain, ou parce qu'un tel est subsaharien, ou parce qu'un tel est comorien, parce qu'un tel est turc. C'est ça notre religion. Notre religion nous a appelés à la ilaha illallah, à être unis. Et nous aujourd'hui, un morceau de ballon nous divise. Allez, division et insulte. Et vous les Arabes, vous êtes comme ça. Et vous les Noirs, vous êtes comme ça. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.